Allô, allô, bon matin à toi, élève de troisième année. Un vrai bonheur de te retrouver encore une fois ce matin. Et là, cette fois-ci, pour notre dernière rencontre matinale de la semaine, hein, on est vendredi. La fin de semaine approche et puis là, tu auras le temps de vaquer à des occupations quotidiennes, peut-être organiser quelque chose de spécial. Hein. Oui, peut-être en communiquant à distance avec les gens que tu aimes. Alors, je t'avais lancé une mission hier et vous avez été vraiment nombreux à répondre à l'appel. Encore une fois, je vous félicite, hein, de faire ça. Hein. C'est un petit moment que tu te donnes là, dans le moment présent où est-ce que le temps là, va probablement s'arrêter pendant que tu fais ça. Mais tu vas voir, le temps passe à une vitesse folle quand on s'applique à faire des choses créatives comme ça. Alors, ce que je vais faire, comme à tous les matins, hein, je te partage des choses que vous m'avez envoyées. Et vous avez été vraiment bons. Ça m'a fait beaucoup sourire parce que on avait la mission de faire, je te laisse la place, à vos œuvres, on avait la mission de faire des virus et les mettre en BD. Les BD, là, je pouvais plus ou moins vous les présenter ce matin parce que c'était plus petit, là, mais on regarde les BD d'Émilie, troisième année, hein, de Greenfield Park. Elle a fait un virus, bon, elle l'a pas nommé, là, mais il est très, très coloré, couleur de l'arc-en-ciel, un petit peu, hein, très original. On poursuit avec Marie-Ange qui nous a fait, elle, un virus, à même, j'imagine, sa tablette ou son ordinateur, c'est un pou virus. Oh là là! Et finalement, je termine avec le Picasso virus qui a été fait par Rosemary en troisième année. Et là, elle y a mis un phylactère à une bulle. On ne juge pas les virus, hein, malgré sa forme, sa couleur et ce qu'ils font dans la vie. Alors franchement, là, ça m'a fait beaucoup sourire, hein, ce petit exercice-là. Je ne sais pas si toi, tu as eu le plaisir à le faire, là, mais moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à les regarder, en tout cas. Pour commencer notre journée, ben, en fait, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a vu hier. Je ne sais pas si tu te souviens, on s'était rencontrés en mathématiques pour pouvoir faire une révision de comment on fait pour multiplier des nombres. Hein? En troisième année, tu dois savoir multiplier les nombres. Et ce que je t'avais rappelé, ce que je t'avais dit, là, je ne sais pas si tu pourrais ton carnet, mais je t'avais dit qu'une multiplication, c'était une addition répétée. Hein, si je dis trois fois, ben, je vais faire trois fois le même nombre. Et je t'avais dit que la meilleure façon de le faire, ben, en fait, il y avait plusieurs stratégies pour faire ça. Il y avait une stratégie, on pouvait illustrer ce nombre-là, hein, avec le matériel base 10, hein, des bâtons, dizaines, des unités, des plaques de 100. On pouvait aussi utiliser un tableau de numération, tout simplement, et pouvoir faire aussi la fameuse stratégie, le conventionnel, le processus conventionnel de calcul. Ce que je vais faire, je fais un petit retour. Pas besoin de rien noter là, pour l'instant. Moi, je te fais juste un petit rappel pour te remettre là, hein, pour faire aller nos neurones puis qu'on se remette dedans aujourd'hui ce matin. Alors, je te fais un petit modèle, un petit exemple tout à fait simple qui est 43, disons, fois 4. 43 fois 4, je t'ai dit que c'est une addition répétée. Alors, combien de fois on va faire le chiffre 43? 4 fois. Pour le faire, bien, je peux le faire en l'illustrant avec du matériel base 10. Alors, j'ai 43. Alors, 4 dizaines, hein, comme ça. Et tu sais quoi, moi, là, je trouve ça long faire, dessiner ces barres dizaines-là. Alors, tu sais ce que je vais faire? Moi, j'ai l'habitude de faire ça comme ça. De le rentrer dans un tableau de numération, hein, parce que là, tu es rendu en 3, là. Fin troisième année même. Alors, j'ai mes unités, mes dizaines, et même que j'ai ici mes centaines. Je connais mon tableau de numération. Et là, je vais faire 43. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et je le fais 4 fois, tout à fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et là, toi, tu le sais, là, en troisième, là, si j'en ai plus que 10, je fais un groupement et je m'en vais faire mes échanges. Alors, je commence avec mes unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais un premier regroupement, je m'en vais porter une dizaine ici. Il me reste donc 2 et là, je fais la même chose avec mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un regroupement ici, ça va me faire une centaine, exact. Il me reste combien de dizaines ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 1. Ah, alors ça, c'est semi-concret, là. Tu es capable, là, de faire ça, là, puis de calculer en te basant, justement, soit sur le tableau de numération ou avec le matériel base 10. Et là, en 3, je te rappelle, je vais te le répéter souvent, là, tu as le droit de manipuler des objets. Je te l'ai dit, je pense, hier, hein? Alors, gêne-toi pas. Maintenant, tu peux faire avec... Mais juste avec les nombres. Alors, on va faire 43 plus 43. Alors, je l'additionne deux fois. 3 plus 3, ça fait 6. 4 plus 4, ça fait 8. Attends, j'avais pas ouvert mon cerveau pour que tu vois à l'intérieur ce qui se passe. Maintenant, je l'ai fait juste deux fois. Je vais le faire deux autres fois pour que ça fasse 4. 43 plus 43, ça fait un autre 86. Et là, il ne me reste plus qu'à additionner ceux-là ensemble. Tu vois? Alors, je fais 86 plus 86. Ça me donne 6 plus 6.
12 unités, ça fait une dizaine. 8 plus 8, 16 dizaines, plus 1, 17 dizaines. Ça me donne 172, ça me donne le même résultat. Ça va? OK. Là, ce que je vais faire, c'est de prendre cette notion-là et la mettre en petite résolution de problème. Toi, en troisième année, tu as l'habitude aux résolutions de problèmes et tu as même, j'imagine, l'habitude de faire des plus grosses résolutions de problèmes. Tu résous des problèmes qu'on appelle, là, dans le jargon, peut-être ton professeur, une C1. Hein? Là, ce qu'on va faire, c'est une toute petite résolution de problème. Je ne veux pas que tu la notes. Je veux que tu la fasses avec moi parce que je veux qu'on regarde ensemble les stratégies pour résoudre un problème. Tu as des étapes à suivre. Hein? Puis ça, tu es sûr de ne pas passer à côté d'informations importantes. Je te montre ça à l'instant. Alors, je t'affiche le fameux problème qu'on va voir aujourd'hui. Le voici. On le lit ensemble. Gabriel et Mylène dessinent des poissons pour le poisson d'avril. Gabriel en a dessiné 27. Mylène, de son côté, en a fait 6 fois plus que Gabriel. Combien Mylène a-t-elle dessiné de poissons? Eh bien, là, on va regarder ça en plus grand. On doit trouver qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche dans ce problème-là? C'est souvent la question. Alors, je te la mets ici. La question, c'est combien Mylène a-t-elle dessiné de poissons? Tu la vois ici, là, c'est illustré en rouge. Hein, c'est coloré en rouge. Tandis que ce qu'on cherche, hein, ce qu'on sait plutôt, là, c'est ce que j'ai mis en bleu. Mylène, de son côté, en a fait 6 fois plus. Hein? Alors, on a le chiffre 27 et on sait que Mylène en a fait 6 fois plus. Alors, 6 fois plus, là, tu dois être habitué à cette terminologie-là. 6 fois plus, ça veut dire qu'on va multiplier le chiffre 27 fois 6. Et là, tu utilises la stratégie de ton choix. Je viens de t'en montrer, là, matériel base 10, bien en fait, oui, concret, ou sinon dessiner le matériel basique, utiliser le tableau de numération ou tout simplement faire une addition répétée. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans un tableau de numération. Là, si ça te tente là, de faire ça là, de façon brouillon, là, peut-être pas juste me regarder comme ça, là, OK? Prends-toi une petite tablette effaçable, du papier brouillon et essaye de le faire avec moi, OK? Moi, je vais l'entrer dans un tableau comme ça de numération, unité, dizaine, centaine, et je vais faire le calcul en faisant des additions répétées. Alors ça, c'est 6 fois. Alors, j'ai 27, 4, 5, 6, 7. Je le fais 6 fois. 1, 2, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je le fais encore une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je le fais encore une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je suis rendu à 4 fois, il m'en reste 2 autres fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! On fait beaucoup, hein? Oui, exactement. D'un autre côté, si toi, ça, tu trouves ça trop long, n'oublie pas, hein, on va faire tout à l'heure là, la version comme ça là, de calcul à la verticale pour pouvoir faire 6 fois le chiffre 27. Alors là, il me reste à faire les regroupements. Je dénombre, je fais des paquets de 10, je vais arriver au résultat. Pourquoi je te fais ça? Là, c'est peut-être plus long, hein, mais je suis presque sûre que je vais arriver au bon résultat. J'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais un paquet de 10. Je le mets ici. Je fais un autre paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un autre paquet de 10. Il ne faut pas que je me trompe, par exemple. Et voilà. Ça me fait une dizaine. Même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un autre paquet. Ça me fait une dizaine. Et la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai un autre paquet de 10. Alors, il me reste donc seulement 2 petites unités toutes seules. Et maintenant, il me reste à faire la même chose avec mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai un paquet que je regroupe ici. Là, tu peux essayer de le faire. Hein? Fais-le avec moi. Comme ça, tu vas t'habituer. Là. D'après moi, à ce temps-ci, là, les troisième années, vous êtes en mesure de faire ça. Ça me fait donc une centaine. Et ici, il me reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 162. Est-ce que ça va? Maintenant, addition répétée, on fait la même chose, mais là, on répète 6 fois le chiffre 27. Alors, 27 plus 27, j'ai 7 plus 7, ça fait 14 unités, je reporte une dizaine. 2 plus 2 dizaines, ça fait 5 dizaines, ça fait 6. Pardon, je me suis trompée. 2 plus 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Voilà. Je refais ici deux autres fois mon chiffre, mon nombre 27. Et là, je sais, je viens de le faire. Ça fait 54. Et là, il faut que je le fasse deux autres fois pour que ça fasse 26. Et là, je le sais, je viens de le faire. Ça fait 54. Il ne me reste plus qu'à additionner ces nombres-là. Hein? Alors, je vais étape par étape. 54 plus 54. Alors, j'ai fait celle-là, j'ai fait celle-là.
4 plus 4, ça fait 8 unités. 5 plus 5, ça fait 10 dizaines. Et voilà. Je rajoute à 108 le fameux 54 que je n'ai pas utilisé. 108 plus 54. Et je devrais arriver, j'espère, au même résultat. Oui, exact. 162. Alors, tu vois, deux stratégies hyper gagnantes, OK? La version plus numérique, là, disons, là, avec l'addition répétée. Et sinon, tu l'inclus dans un tableau de numération. Tu as le droit de faire ça. OK? C'est bon. La réponse, par contre, il ne faut pas que tu oublies. Quand tu fais une réponse, quand tu donnes une réponse, tu dois donner une réponse complète. La meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser les mots qui sont dans la question. La question, c'est combien Mylène a-t-elle dessiné de poissons? Alors, on répondrait quoi? On répondrait Mylène a dessiné. En fait, la question. Oui. Alors, combien de plus? Alors, voilà. OK, 6 fois plus. Alors, Mylène a dessiné 162 poissons. Fais une phrase complète. C'est bon? J'ai fait ça. On s'en va dans ma partie. On plonge dans la littérature jeunesse. Et j'ai le bonheur ce matin de présenter un auteur. Un auteur d'album jeunesse. Il en a écrit comme 80 albums jeunesse, OK? Et tu le connais assurément, hein? Parce que plusieurs professeurs du Québec utilisent ces albums pour pouvoir faire soit des enseignements de stratégie de lecture ou tout simplement là, un partage de lecture là, comme ça pour le plaisir. Je te le présente pour que tu aies une image claire de qui je veux parler. C'est cet homme-là qui s'appelle Michael Escoffier. Michael Escoffier, c'est un Français. Alors, il ne vient pas du Québec. Par contre, il est régulièrement au Québec. Alors, on l'a adopté. Hein? Et puis, lui, il illustre plein de choses, mais son style, là, en tout cas, moi, ce que j'apprécie de sa part, c'est qu'il est rempli d'humour. D'ailleurs, on a eu la chance à mon école de le recevoir. Hein? Alors, c'est la preuve. Là, depuis septembre, là, il se promène dans toutes les écoles du Québec. Tu l'as peut-être même reçu, toi, dans ta classe. Et il nous a fait le plaisir de nous permettre de partager une de ses œuvres récentes. Alors, c'est ce que je vais lire aujourd'hui avec toi. Alors, on a un auteur pour un livre. Il faut un illustrateur. Hein? Oui, parce qu'il y a des dessins dans cette œuvre-là, dans cet album jeunesse-là. L'auteur que je te présente aujourd'hui, c'est Chris Di Giacomo. Alors, c'est une illustratrice vraiment très chouette, OK, qui, elle, au départ, a été une professeure d'anglais, hein, de ton âge, avec les enfants de ton âge. Et puis, tranquillement, elle avait un intérêt très fort pour les arts, et tranquillement, elle a commencé à collaborer avec les auteurs. Et elle, son style, là, c'est du dessin. C'est un mélange du dessin, de la peinture. Elle fait aussi du collage, de la superposition, puis elle utilise les technologies aussi, là, de l'ordinateur pour faire quelque chose de très particulier à son image, à elle, son style. C'est ce qui fait que, tant pour Escoffier, pour que Giacomo, on puisse les reconnaître d'une œuvre à l'autre. On peut dire, ah oui, ça c'est le dessin probablement de Giacomo. OK? Alors, tu vois, ils ont chacun leur style. D'ailleurs, à cet effet-là, ça tente d'aller découvrir d'autres œuvres d'eux. Là. Tu vas sur leur site Internet et puis tu peux aller voir ce qu'ils ont fait. Si par exemple, tu m'en vas sur le site d'Escoffier, je vais te grossir ça un peu, tu peux aller voir des albums. Peut-être que tu connais là, Tempête à la savane, hein, qui est plutôt rigolo. Je peux continuer comme ça, là. Bonjour, docteur. Je vais aller un petit peu plus loin. Ah, il y a aussi, attends, je vais te montrer ici, là, un des albums qu'on a vu beaucoup les derniers temps. Ici, La princesse Kevin, que tu as peut-être vu. Tu as des abécédaires. En tout cas, tu as plein de choses. Et quand tu cliques sur l'œuvre, tu peux aller lire des extraits pour te donner l'envie de le lire, de l'acheter. OK? Alors, ça, c'est pour ce qui est de Michael Escoffier. Ce que je vais te montrer, c'est aussi le site de l'illustratrice pour te permettre peut-être de t'inspirer, OK? Quand tu vas ici, tu vois les collaborations qu'elle a faites. Tu peux aller, par exemple, sur La mouche qui pète, qui est un livre vraiment drôle. Et puis, elle te montre les illustrations qu'elle a faites pour cet album-là, hein? C'est génial. Alors, en cliquant dessus, là, tu peux voir différentes pages, comme ça, de choses, d'illustrations. Tu vois, quand je te parlais de crayons, de collage, on sent qu'il y a des superpositions à l'intérieur. Et voilà. Alors, es-tu prêt à passer à notre histoire? Oui? OK. Mon histoire s'appelle « Trois petits riens ». Je te présente ça à l'écran. Et pour les prochaines minutes, je te demande de tout simplement là, bien t'installer. Mets-toi un coussin derrière la tête. Et laisse-toi guider par ma voix parce que là, je vais te faire la lecture d'un petit livre tout simple, avec un peu d'humour, avec des petites choses complexes à comprendre, dont le vocabulaire, l'ordre logique aussi des événements. Alors, on va commencer. Deux stratégies qu'on va voir aujourd'hui pour la lecture. Faire le survol de l'œuvre ou du texte. Hein? Des fois, tu peux être devant une feuille là, dans ta classe. Là. Et aussi, on va essayer de prédire ce qui va se passer dans l'histoire. On commence? OK. Alors, je te présente en gros plan mon livre que je te lis aujourd'hui, qui est ici, Trois petits riens.
Alors, on regarde tout d'abord, hein, le survol, là, c'est de regarder la page couverture, la première de couverture. On peut voir le titre, mais est-ce qu'on a un indice sur l'histoire, hein, sur ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Pas tant. Moi, je vois deux petits personnages qui ont l'air pas d'un humain, pas d'un animal, mais qui ont l'allure peut-être humaine à cause des bras, des jambes. On a le titre « Trois petits riens ». Bon, on suppose, étant donné qu'il y a trois personnages, qu'on va parler de ces personnages-là. On n'en dit pas plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la quatrième de couverture, donc la dernière page, l'endos du livre. Habituellement, dans tous les albums ou presque, on a un petit résumé d'histoire. Ça va comme suit. Il était une fois trois petits riens, trois petits riens de rien du tout. Partis main dans la main à la recherche d'un doudou. Le doudou a disparu, mais quand trois petits riens se plient en quatre, tout espoir n'est pas perdu. Ah, alors là, on a un petit peu plus de précision, hein? On se rend compte que ces fameux petits trois personnages-là auront une mission de retrouver un objet perdu. Je retourne au début du livre et je commence. Trois petits riens, par Michael Escoffier, illustré par Chris DiGiacomo, et publié aux éditions Balivernes. Trois petits riens. Il était une fois trois petits riens de rien du tout, abandonnés au bord d'un chemin là, au milieu des cailloux. Ah, alors, on peut savoir maintenant, là, une des caractéristiques qu'ils ont, c'est d'être petits, hein, au beau milieu des cailloux, là. C'est preuve d'inférence, là, hein. Si c'est la grandeur d'un caillou, c'est une inférence qu'ils sont petits. On continue. C'était vraiment trois fois rien. C'est trois petits riens de rien du tout, à peine. Un, plus un, plus un. Sorti d'on ne sait où. Il était une fois, non, il était trois fois un bon gros chien gentil comme tout qui leur dit « Salut les copains, je vous amène, accrochez-vous! » Oh, trop content de voir passer quelqu'un, les trois petits riens lui sautent au cou. Et les voici qui partent main dans la main sur les chapeaux de roue. Ah, on a ici quelque chose là. Peut-être tu ne comprends pas tout de suite, mais la signification, on va aller trouver des indices. Et cet indice-là, le meilleur, là, c'est dans l'illustration. Hein? C'est partir rapidement. À travers mon veau et jardin, il caracole. Caracole, ça veut dire là, faire des bonds. Hein? On le voit sur l'illustration. Cheveux au vent, ils font les fous, laissant leurs traces et leurs chagrins dans la poussière ou dans la boue. Ça rime. Oui, mais voilà, la terre est ronde et à trop faire le tour du monde, nos trois petits riens finissent par tomber au creux d'une cheminée. Oh, vous tombez bien, leur fait un Père Noël coincé depuis l'hiver dernier. Oh, car Louise a perdu son doudou. Ah, probablement qu'il a entendu ça de la cheminée, hein, qu'il y a une petite fille qui a perdu son toutou. Hein, le toutou, là, ça peut être un autre objet perçu, là, mais ça semble être son toutou, le personnage qui est triste. Ah, rien à faire, dit son père. J'ai cherché partout. Ah, mais ce n'est rien, dit sa mère. C'est juste un doudou. Nous t'en trouverons un autre. Mais j'ai mon doudou, répond Louise en pleurant. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, les trois petits riens se plient en quatre et autour d'eux réunissent tous les petits riens qui traînent dans le coin. Et si trois fois rien égale trois, se disent-ils, à mille, nous ferons le poids! Ils grimpent dans la cheminée où tous ensemble, en un même effort, poussent tant et tant encore que le Père Noël se met à glisser. Ah, là, je veux que tu regardes, là. Tu vois les illustrations que je te parlais, là, hein? Crayon. Et ici, il y a eu du collage qui a été mis par-dessus, hein? Tu vois? C'est le style de Giacomo. Là, continue, là, je vais continuer l'histoire. Remarque, OK? Il y a des changements au niveau de l'écriture. Je vais revenir après pour voir si tu sais pour quelles raisons on change les écritures. Pouf! Et six poucettes, puis devant leurs yeux médusés, sort de sa hotte le doudou égaré. Ah ben là, on a encore un mot, là, peut-être que tu ne comprends pas la signification. Et six poucettes devant leurs yeux médusés. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Médusés, hein? Surpris. Hein, ils sont surpris de voir que le doudou, finalement, il était coincé avec le Père Noël dans la hotte. Mais que faisait ce petit toutou pris dans la cheminée? Comment on fait pour arriver dans une cheminée? C'est ce qu'on va découvrir.
C'est la pie qui l'a volé, explique-t-il. Elle adore les bijoux, sauf qu'elle a rencontré ce coquin de coucou qui lui a dit hey, « Coucou la pie! En voilà un beau doudou! Hey, si tu me le prêtes, là, je te ferai des bisous! » Oh, non, non, non. Les deux volatiles se sont volés dans les plumes et le doudou, tel une enclume, a chu dans la cheminée. Ah, on vient d'avoir la raison pour laquelle le fameux toutou s'est retrouvé dans la cheminée. Oh, on a une page sans texte. On peut très bien en créer du texte. Hein? Alors, les trois personnages, les trois riens, ont transporté le doudou. En entrant dans sa chambre ce soir-là, Louise ressentit un grand soulagement. La dernière larme sur sa joue qui coula fut une larme de joie. Et là, ce que je veux que tu remarques, c'est les choix que l'illustratrice a fait. Hein? Elle a mis en blanc, là, presque comme le plancher, les autres jouets, comme si lui, là, ici, avait toute son importance. La vie est faite de petits riens, de tout petits riens du tout, invisibles aux yeux de certains, mais qui comptent pour nous plus que tout. Fin de l'histoire. Alors, comment as-tu trouvé ce récit? T'as aimé? T'as apprécié? Oui. Alors, t'as remarqué, là, il y avait un petit peu d'humour. On a reconnu le style de l'illustratrice hein, que je t'ai parlé. Et là, ce que je veux faire, c'est qu'à chaque... à chaque fois que je vais te lire le vendredi, une œuvre comme ça, une œuvre littéraire, j'aimerais qu'on puisse la noter dans ton carnet. Donc, là, j'aimerais ça que tu sortes ton carnet. OK? Tu sors. T'es prête? OK. Et juste, je veux que tu écrives le titre de l'œuvre que je te lis. Alors, aujourd'hui, c'est « Trois petits riens ». Tu écris ça, là, sur une page. Ça va être une page qui va être dédiée à tes évaluations, à tes appréciations des œuvres. « Trois petits riens ». Et tu pourrais même écrire l'auteur, hein, qui est Michael Escoffier. Et là, je veux que tu y donnes une note. Là, tu peux faire ça comme tu veux, là. Une note comme ça sur 5. Tu peux dire, ah, moi, je mets sur 5 étoiles, je mets, par exemple, je sais pas, là, je fais ça vite, là, 5 étoiles, OK? Alors, tu juges l'œuvre selon si tu as aimé beaucoup, passionnément, juste un petit peu, OK? Et tu peux rajouter aussi ton appréciation de qu'est-ce qui le rend, par exemple, extraordinaire, OK? Moi, dans mon cas, là, il est extraordinaire, OK? Fait que moi, c'est sûr que je mettrais la note de 5 étoiles. Ma justification, là, ça, je peux justifier ça, là. Je peux apprécier une œuvre de plein de façons. À cause de ses illustrations, à cause d'un passage que j'ai apprécié, par exemple, ou encore, d'un personnage, là, qui m'a accroché. Alors, je veux que tu me justifies pourquoi tu mets 5. Par exemple, j'ai aimé le passage du Père Noël, ça m'a fait rire, c'est rempli d'humour. Donc là, si quelqu'un un jour te dit « Hey, as-tu une bonne recommandation d'un livre à me lire? » Ben, tu dis « Ben oui, attends, je vais sortir mes recommandations, mes évaluations, mes appréciations. Ah, moi, je te conseille 3 petits riens. Ouais, j'y avais mis 5 étoiles parce qu'il y a un passage vraiment drôle là, du Père Noël qui est pris depuis un bon bout de temps dans la cheminée. » Tu vois, ça nous permet là, de prendre conscience de ce qu'on a lu et ce qu'on a apprécié, de se développer nos goûts, nous, de lecteurs. Voilà. Dernière petite chose. Pourquoi pas, hein, je te fais des cercles, mais fais-le de la façon que tu veux, te trouver toi aussi 3 petits riens. 3 petits riens, là, ça veut dire des petites choses qui sont précieuses pour toi. Je te parle, moi, là, de mon expérience. J'ai une boîte à la maison. Dans ma boîte, j'ai mis des choses, des souvenirs, OK, que j'ai conservés puis qui me rappellent des bons souvenirs. Par exemple, j'ai encore la petite mèche de cheveux. Quand j'étais toute petite, la première petite mèche de cheveux que j'ai coupée. J'ai des cartes, j'ai entre autres une carte là, que j'ai en tête, qui est une carte d'anniversaire, qui, elle, naît d'une personne très précieuse. Alors, j'ai des petits objets comme ça qui, pour certaines personnes, feraient comme, c'est pas important. Mais pour moi, c'est précieux, ça compte. Mes fameux 3 petits riens. Alors, trouve-toi-en, là, 3 petits riens que tu vas écrire, là, en bas de ton évaluation, de ton appréciation de ma lecture d'aujourd'hui. C'est bon, ça? OK. Passons maintenant à l'écriture. Ben, en fait, c'était le défi, là, je nous étais lancé. J'avais le défi, ou en tout cas, comment dire, là, l'image folle qu'on allait ensemble créer une histoire. Ah oui, j'ai même l'idée folle qu'on allait en faire un vrai livre puis le publier. OK, tu vois? Ouais. Bon, ben, c'est parce que je crois en toi, puis là, depuis le début de la semaine, tu m'envoies tellement de choses créatives, ça n'a aucun sens, là, OK? Je sens qu'on va faire quelque chose de grand ensemble, là. J'ai pensé à une idée, OK? Je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire comme histoire qui...
qui serait facile, mais pas tant facile, mais qu'on aurait beaucoup d'idées autour de ça. Et là, je te lance la ligne directive de notre histoire qu'on va composer ensemble. Je veux que notre histoire tourne autour d'un personnage qui découvre quelque chose qui le rend célèbre. OK? Quelqu'un, un personnage, ça peut être un animal, qui découvre quelque chose qui le rend célèbre. Alors là, pense à ça. Là. J'espère que ça commence à bouillonner dans ta tête. Moi, j'ai déjà vraiment beaucoup d'idées. Et puis, pour te donner encore plus d'idées, ben gars, je te parle d'un exemple. Là, c'est un fait concret, OK? C'est quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie. Autour des années 1900, il y avait les frères White. Je te les montre, OK, pour que tu aies une idée de qui je parle. Les frères White, ils ont vraiment existé. Je te les montre juste ici. C'est ceux-ci. Et eux, là, dans le fond, c'était des réparateurs de vélos. Il y avait un atelier de vélos, puis ils réparaient les vélos. Et ils étaient très, très intéressés là, par tout ce qui se passait là, au niveau de l'aviation, tout ce qui se passait dans l'air, le fait de planer, le fait de voler comme les oiseaux. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de travailler là-dessus, se plancher là-dessus pour créer quelque chose qui vole longtemps dans les airs. Ils ont commencé à faire des tests là, avec des planeurs, hein, doubles ailes et tout ça. Ça fonctionnait, mais ça ne volait pas très longtemps et très loin. Alors, ils ont développé dans leur petit atelier autour des vélos, ils ont développé un moteur à hélice. Hein, l'ancêtre là, de nos avions, moteur à hélice. Et là, ils l'ont présenté même à l'armée là, avant la Première Guerre mondiale. Et ça a eu des bons effets, là, hein? Ça a changé certains trucs, mais il y a eu des essais-erreurs. Il y a eu des accidents aussi, même que l'un des frères White a été gravement blessé. Malgré tout ça, ils ont continué, ils ont été persévérants, puis ils ont trouvé le moteur qui a été nommé le Flyer. Ah ouais, lui là, il a été révolutionnaire. Grâce à ça, ils se sont mérités une médaille. Oui, la médaille Benjamin Franklin. Et ça, on remettait ça à cette époque-là, autour des années 1905-1910, là, on remettait ça aux gens qui faisaient une invention qui changeait l'humanité. Dans ce cas-ci, ben, hein, c'est l'ancêtre de notre avion dans lequel on peut voyager hein, de nos jours. Alors, tu vois dans quoi je m'en vais, là? Alors, ça, c'est quelque chose de réel. Par contre, toi, là, je veux que tu uses de ton imagination pour faire des choses, là, sans limite, là, hein? Alors, dans ton carnet d'inspiration, ton petit carnet, là, que je t'ai demandé depuis le début, fais-toi une grosse étoile, hein, parce que là, on va parler de quelque chose qui rend célèbre, des choses, d'une découverte qui rend célèbre. Là, je veux que tu notes toutes les découvertes qu'on peut faire. Découvrir un remède. On peut découvrir un objet. On peut découvrir, OK, un lieu. Je veux que tu nommes, mais là, dis-moi pas lieu. Je veux que tu me dises qu'est-ce qu'on peut découvrir. Une caverne, hein? Précise ton lieu. Et là, tu me fais là, la plus grosse étoile que tu peux avec le plus d'idées possibles. Tu m'envoies ça par courriel, OK? Puis moi, c'est avec ça, là, avec toutes vos idées, les élèves de troisième année, qu'on va essayer la semaine prochaine de déjà commencer notre récit. C'est bon, ça? Ça, c'est ma mission du jour, en tout cas, du week-end. Tu fais tes trois petits riens. Et tu m'envoies l'image, en fait, la photographie, si tu peux, de ton étoile avec toutes tes idées. En parlant de m'envoyer les choses, je te fais un petit rappel. Alors, tu m'envoies tout ça à l'adresse marieve@commercialsuccesscolaire.ca. T'oublies pas d'inscrire ton nom, d'inscrire aussi l'année, parce que là, c'est troisième année. Et je veux que le mot vedette, là, pour me rappeler que c'est cette mission-là, étoile. Alors, tu inscris à la fin étoile dans l'objet de ton courriel. On rajoute à ça aujourd'hui une petite nouveauté qui est ici, je ne sais pas si tu le vois en plus grand, là, je vais te le grossir, qui est ici le fameux hashtag la classe de Marie-Ève. Ce que je veux faire, là, c'est créer vraiment comme une communauté, là, comme si on était une grosse famille là, qui était ensemble et essayer de partager plus de choses que tu fais à la maison. Hein? Parce que là, chaque matin, j'en présente deux, trois. Là, hein? Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent ce matin. Alors, je veux que si tu, avec l'accord de tes parents, sur Facebook, Instagram, hein, tous les réseaux sociaux, tu puisses publier des choses que tu fais qui, par exemple, répondent à ma mission du jour en incluant le hashtag classe de Marie-Ève. Tu peux rajouter succès scolaire aussi, hein, parce que c'est grâce à eux que je suis ici ce matin. Alors, tu rajoutes le hashtag classe Marie-Ève, puis là, tout le monde va voir tes magnifiques œuvres et ta merveilleuse implication au niveau scolaire. C'est bon, ça? Alors, pour les questions, parce qu'il y a eu des questions qui ont circulé, bien, tu peux aussi m'envoyer un courriel. Mais dans ce cas-ci, au lieu de m'écrire étoile, par exemple, ton parent ou toi, vous écrivez questions. Comme ça, on va être capable là, un peu de gérer toute cette entrée de bonheur-là qui se fait dans le courriel. Alors, je te souhaite un beau week-end. Amuse-toi, va jouer dehors, fais des choses qui te font plaisir. N'oublie pas de répondre à ma mission. Puis on se dit à lundi pour une autre belle semaine ensemble. Bye, amuse-toi bien.